Un mur de policiers devant le principal dépôt du métro dans la banlieue d'Athènes. Ferrarissime, le gouvernement grec a décidé de réquisitionner le métro et son personnel pour casser une grève de 9 jours. Résultat, le dépôt pris d'assaut ce matin à l'aube. Pas d'affrontement majeur ni de blessés, mais un sentiment de révolte de plus en plus fort. La riposte ne s'est pas fait attendre. Un blackout total aujourd'hui dans les transports en commun. Le gouvernement utilise la violence pour essayer de nous forcer à arrêter notre grève et à abandonner nos revendications. Les grévistes demandent à être épargnés par de nouvelles coupes salariales. Faute de reprendre le travail, les 2500 employés du métro peuvent être arrêtés ou même licenciés. Le Premier ministre n'entend pas reculer.